C'est une vidéo pour un jeu basketball de marque LSI, d'après ce que j'ai vu sur internet, parce qu'il n'y a rien marqué du tout, mais a priori, quand on tape et qu'on cherche, c'est LSI. Certains mettent Gaken, mais je pense que c'est LSI. Donc, au niveau cosmétique, il est pas mal. Je vais le retourner après. Je l'ai branché avec un adaptateur universel, qui n'est pas compris dans l'annonce. Voilà, je l'ai mis en 6 volts. Bon, et puis on va le mettre en route. Voilà. Donc, on va bientôt voir apparaître le truc. Voilà, on voit les personnages. Voilà, on le voit bien. Donc, je vais... Alors là, comment ça se passe? Alors, j'essaie de bouger. Mince. Joueur 1, c'est moi là en bas. Voilà. Donc là, j'essaie de bouger. Oui, j'y comprends rien. Bon, il y a des boutons pour bouger player 2, player 1. Et il y a un bouton pour passer et l'autre pour shooter. J'essaie de shooter. Je sais pas si c'est moi qui joue là en fait. Hein. J'en sais rien du tout, quoi. Donc là, bon, on voit qu'il marche le truc. Après, pour le reste, j'essaye de faire quelque chose, mais j'y comprends rien. Voilà. En tous les cas, il fonctionne. Alors, au niveau. Voilà, il y a deux modes. Hein. Il y a un mode 1 et il y a un mode 2. Donc j'imagine que c'est pour. Ah non, c'est skill 1, skill 2. Donc le niveau 2 doit être plus difficile que le niveau 1. Pas simple. J'essaie d'avancer. Bon, il fonctionne. Voilà. Et je vais couper le truc qui fait beaucoup de bruit. Au niveau de l'état cosmétique, je signale qu'il y a une fêlure. Il y a beaucoup de fêlures. À chaque fois, il y a des fêlures dans ces jeux-là. Donc, elle est c'est vraiment un dixième de millimètre, on la sent. Mais bon, il faut dire qu'il y a une fêlure qui est là, qui doit commencer quelque part par là, je pense. Je sais pas si. Il y a une fêlure, là, il y a quelque chose là, à l'écran. Bon, et c'est à peu près tout. Sinon, il est dans un état qui est plutôt bon. Voilà. N'y a pas de trappe cache-pile. Voilà. La trappe, par contre, n'est pas en mauvais état. Hein. Il n'y a pas de traces de rouille, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'était le jeu basketball. Bon, je ne suis pas sûr qu'on y joue énormément, mais enfin, pour une collection, c'est sympa d'en avoir un. En tabletop. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite d'excellentes enchères.